Bonjour à tous les amis, c'est CoolTNT et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Labotron. Bon, je sais, c'est une plateforme dans les airs, mais véritablement, le laboratoire est ici et il est actuellement en réparation. Je peux pas trop le faire directement dans le laboratoire, c'est un problème. Mais du coup, je le fais sur cette petite île volante qui a été très simple à créer. Donc, aujourd'hui, si on se retrouve ici, c'est pour créer un système 100% invisible et 100% automatique. Donc, qui consiste à utiliser un bug. Enfin, un bug, je sais pas si on peut appeler ça un bug. Enfin, si, quand même. Enfin, j'en sais rien. Bon, en gros, si on met un bloc ici et qu'on est là, on le récupère. Et en gros, c'est basé là-dessus. Donc, on va juste s'écarter un petit peu parce que si je le fais là, j'aurai pas suffisamment de place. On va le faire par là, voilà. Donc, voilà, comme ceci. Donc, faut faire 3 blocs de haut pour que le gars ne puisse pas regarder par-dessus, hein, celui que on veut troll. Bon, donc là, je fais une version miniaturisée de la vraie. Tout simplement parce que la vraie, eh ben, il en faut un peu plus. Je vais vous dire ça tout de suite, hein, je fais juste ces petites conneries. Donc ça c'est une version miniature et la vraie c'est celle-là. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs ici. Enfin 6 pistons. Donc vous pouvez mettre au moins 6 blocs. Et ici... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pistons. Et du coup, sachant que lui va déjà choper ce bloc-là, donc celui-là n'a pas... Enfin, on n'a pas besoin d'en mettre un autre ici. Voilà, donc on a fait ça. Ensuite, on va se mettre deux blocs comme ça. Pour le début, on se prend une petite plaque. Ce système est compatible en 1.13, en 1.14, hein, la version à laquelle je suis, en 1. je ne sais combien. Pratiquement toutes les versions de Minecraft, hein, du moment qu'il y avait de la redstone, des pistons, des plaques. Bon, là j'ai pris une plaque comme ça, vous pouvez prendre une plaque basique. Hein. Enfin, pas en pierre, il faut qu'elle soit en bois. Si elle n'est pas en bois, ça marche pas. Bon, du coup, on se fait un trou ici. Non, si. Hop, un bloc là. Je fais ça. Hop, comme ça, comme ça. Du coup, on se prend de la redstone. La redstone que l'on aime tous. Et du coup, on va se mettre des pistons. Donc du coup, là, quand il y aura un item là-dessus, ça actionne le courant. C'est très important. Du coup, hop, 1, 2, 3, 4. Je le fais sur 5 là. Mais vous, faites-le sur les dimensions que je vous ai dites avant. Dites, ouais. Et il faut faire très attention, il faut que en arrivant, ce soit là où ce soit le plus court, le 6. L'endroit où je vous ai dit de faire 6, c'est par là où on est censé arriver. Parce que le temps de réaction du joueur fait que quand il va voir se retourner, il n'aura pas le temps de revenir derrière. Voilà. Vous connaissez tout. Donc, le piston collant, voilà, ici aussi, avec ça là et ça là. Du coup, quand il va enlever le... Donc, du coup, là, on va faire un inverseur de redstone, comme on aime les faire. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien les faire, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on s'en fout. Bon, comme ça, voilà. Et on va se faire le même de l'autre côté pour les autres pistons.
comme ceci. Il faut un cacha. Voilà. Là, on est bon. Tout. Tac. Du coup, là, invisible. Et quand on... Pourquoi il n'y a rien là-dessus? Attendez. Non, il n'y a pas besoin de l'inverseur. Oh, mais c'est nickel tout ça. Voilà. Et du coup, quand il y a un truc dessus, voilà, ça pousse. Et quand on passe, ça ouvre. Hop. Oui. Bon, du coup. Maintenant, on ouvre. Mais le gars, il tombe dans le vide. Donc bon, au pire, vous pouvez le faire tomber dans le vide. Mais votre système ne sera pas automatisé. Du coup, pour automatiser le système, vous devez faire comme je fais actuellement. Un petit système tout simple de... Enfin, une petite cavité de 3 blocs comme ceci. Donc, c'est pas le système le plus complexe qu'on ait vu, mais même si, à mon avis, cette vidéo, elle va prendre un petit peu de temps quand même, hein. Ça va être plutôt long. Bon, voilà, comme ça, ensuite, hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oula. 3, 1, 2, 3, hop. 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 Voilà. Du coup, là, c'est l'endroit où on va stocker. Stocker. On va stocker des gens, oui. Durant leur mort. Du coup, on prend un entonnoir pour faire le sol. Donc, tac. Tac. Et sachez que je me suis inspirée d'un système déjà existant, mais que je l'ai automatisé par moi-même. Et oui, si vous voyez ce système ailleurs, sachez que bah, je ne savais pas qu'il existait. J'espère juste que vous le verrez pas parce que bon, ça me dégoûtera un petit peu. Du coup, ensuite, il faut bien sûr pouvoir tuer la personne. Donc, hop, comme ça, ici, là, j'en ai fait un de trop. Hop, ici et ici. Donc là, on va mettre les distributeurs. Pourquoi je tombe? Bon, du coup, on va retourner ici. On va ouvrir le truc. On tombe, du coup, ici. Et on va se prendre un distributeur. Des flèches dans combat. Hop. Le distributeur, on le met juste là. Dedans, on met full flèche. Et du coup, ensuite, vu qu'on veut encore des flèches, on fait contrôle, clic de la molette. Et on en remet comme ceci. Et du coup, là. Hop, hop, hop. Hop, tout simplement. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, tout simplement, on va pas s'attarder sur les flèches pour l'instant. 7-0. Du coup, on va plus s'attarder sur l'écoulement du stuff. Donc tout le stuff part à l'encontre. Enfin, par voilà, par là, par là, voilà, on va dire jusqu'ici. Et ici, on va mettre un double coffre qui sera le coffre de stockage. Donc, hop, voilà, comme ceci. Et du coup, ici, on va tout simplement se mettre le coffre. Ouais, les belles textures de Minecraft 1.14, c'est si beau. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, bien sûr, on va se faire un système de tri. Le tri automatique, ça me connaît. Du coup, tout simplement, c'est pas complexe, normalement. C'est basé sur des faits tout à fait réels. Non, c'est pas du tout le propos. C'est basé sur le fait qu'on ne peut pas, laissez-moi regarder dans Redstone plutôt, le comparateur ici, quand lui va être plutôt rempli, il va envoyer un courant de Redstone. Bien sûr, pas un courant autre que la Redstone
puisque dans Minecraft, tu n'en verras jamais. Enfin, du moins, pas en 1.14 sans mod. Voilà. Comme ça, on est sûr que je dis pas des conneries. Voilà, comme ceci. Et là, une torche. Du coup, une torche, ça fait que quand on met un bloc, quand un entonnoir reçoit de la redstone, il ne peut pas donner son contenu. Du coup, on va remonter. On va sortir de nulle part une enclume. Et du papier. Du papier. Aimez-vous le papier? Du coup, on va l'appeler. Tu vas mourir. On aime mourir dans notre vie. Du coup, tu... Casse-toi. Tu vas mourir. C'est très intéressant tout ça. Mais du coup, non, déjà ici, on va le remplir. Tout simplement. On va juste s'en prendre un petit stack en plus. Et ici, on va s'en mettre un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, j'ai... Bon. Non, en gros, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 1 ici. Tout simplement. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Voilà, nickel chrome. Et on va mettre papier au niveau du 1. On va mettre un papier tout simple. Du coup, si on, il y a un truc de plus qui rentre là-dedans, ça envoie un courant. Ça laisse celui-là se déverser un petit peu ici. Et voilà. Donc là, on est bon. On va continuer. On va aller par là. Voilà, ici, on est nickel chrome. Et on va du coup se prendre des... Comme ceci. Non, pas par là, non. Faut tout le temps aller à l'envers avec ça. Avec ces machins. Tac, un là. Et voilà, nickel. Ensuite, ici, on va se prendre un petit... où est-ce que je trouve ça? Redstone, peut-être. Un petit dropper. Donc, le dropper hein, qui est apparu en 1.12. Non, on va pas se faire un petit cours Minecraft. Un petit cours minecraftien, si je puis dire. Donc voilà, on va le mettre vers le haut celui-là. Et on va en mettre plein. C'est un ascenseur à items qui est censé marcher. Hop. Du coup, on va essayer de faire en sorte à ce qu'il arrive à ce niveau-là. Sachant que on va se mettre un là. Voilà. Hop, on sort et on rebouche. Du coup, on a ici notre dropper. Tac. On met les petits entonnoirs. Tac, tac. Et j'ai réussi à arriver pile poil au bon endroit. N'est-ce pas magnifique? Du coup, maintenant, notre ami la cloque de redstone. Je pense que vous connaissez bien les cloques de redstone. Parce que moi, oui. Donc, tout simple. La cloque de redstone, la plus rapide qu'on peut faire pour alimenter comme ça là. Voilà, bon, là je ne comprends pas. J'aime quand ça bug, mais il y a un moment où faut pas abuser quoi. Tac, tac. Normalement c'est censé marcher. Normalement. On va tout péter. Et on va tout refaire, parce que là, c'est tout à fait anormal, et je tombe comme une crotte. Du coup, le plus compact, si je me souviens bien, c'est du 6x6, comme ça, avec un... Bon, on va plus le mettre là. La torche de redstone, juste ici. Le 2, ici, en deux tics. Et voilà. Et un comme ça. Ça marche. Du coup, celui-là se fait alimenter. Mais c'est pas tout ce qu'on veut. Parce que on va demander autre chose. Parce que là, il n'alimente que celui-là. Du coup, on va se faire un système que l'on va devoir répéter à tous les étages. Qui est comme ça. On pourrait presque ne pas faire ça en fait. Ouais, ça c'est presque du surplus. C'est presque, c'est du surplus en fait. Hop, comme ceci. Et du coup, normalement,
Ici, il est alimenté. Et lui aussi. Du coup, on est bloqué. Lui aussi, on est bloqué ici. Du coup, on peut continuer à monter. On est bloqué là. Et du coup, on refait le truc à cet étage. Comme ceci. Non, il était en 1. Hop, 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 hop. Il marche, il peut monter jusque-là. On en remet un. Avec, bien sûr, ce que l'on connaît le mieux. Qui est, bien sûr, la répétition. Et il arrive jusque-là. Il nous en manque un étage. Si, enfin, je crois hein, qu'il nous en manque qu'un. Hop, pourquoi j'en fais comme ça? Hop. Et il monte jusqu'en haut et il est là-dedans. Voilà, ici on va se refaire la même cloque de redstone que l'autre fois. Tac, la torche sur le côté. Celui-là en deux. Et on lance le truc avec ça là. Du coup, il vient larguer la feuille par terre. Et on a automatisé le premier truc. Parce que du coup, dès qu'on va choper le machin, ça ouvre. Et du coup, celui qu'on va tuer va larguer tout son inventaire. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Par contre, j'en ai trop dès que tu vas mourir. Normalement, il n'en en a qu'un. Du coup, on va lâcher. Non. Tac, on va tout lâcher comme ça. Hop, tout. Voilà, on est mort. Donc on a tout lâché. Et du coup, aussi celui-là. Celui-là qui va du coup s'activer ici en passant par ici. Et qui va donc réactiver le système en repoussant les blocs au bout d'un certain temps. Voilà. Nous sommes bons. Donc, déjà, il tombe, mais il meurt pas. On arrive au moment le plus intéressant. Celui que je préfère. Celui où on tue tout le monde. Oui, j'aime tuer des gens. Ah, cette envie de tuer, ça s'appelle, ça doit avoir un nom, ça doit s'appeler, mais je ne sais pas comment. Voilà, mon manque de culture générale me tuera. Ensuite, du coup, ici, on va se prendre ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, bien sûr, parce que le machin a réinitialisé le système et tout l'autre stuff est ici. Oui, on aime quand notre stuff se distribue. Non, en vrai, on n'aime pas trop, mais au pire, on s'en fout, hein. On fait comme si. Ensuite, ta 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 ta. Voilà. Oui. Encore. Tac tac. Tac tac. Et tac. Du coup, on va s'en mettre un autre ici pour répéter le signal. Et on va se mettre de la redstone. On aime poser la redstone, n'est-ce pas? Poser la redstone, c'est jouissif. On va s'en mettre un autre là, parce que j'ai un doute. J'ai la flemme de compter et j'ai un doute. Donc, on en remet un. Ensuite, du coup, on est d'accord qu'il y a les flèches dedans. Oui, on est nickel. Hop, on va faire le petit courant là qui est juste là. Lui, on va le faire descendre un petit peu. Tac. Hop. Hop. Et merde. Comme ceci. Voilà. Du coup. Non. Non, pas voilà. Et qu'est-ce que j'ai foutu encore? Oh, ça va, je vais rien péter. J'ai eu peur. Mais pourquoi je ne. Je vais pleurer, hein. Ça devient grave. Soutenez-moi. Tac. Du coup, ici, on va se. Non, on va encore un petit peu agrandir. Hop. Et ici, on va se mettre ça avec une torche de redstone. Un comme cela. Un piston collant après avec un bloc contre lui. Et ici, on va se faire une petite cloque. On aime faire des cloques, n'est-ce pas? Oh, c'est beau les cloques. Time 7-0. Nickel. Voilà. Du coup. On va se faire ça. Et j'ai oublié un bloc, bien sûr. Tac. Et je l'ai fait de travers, donc ça risque pas de marcher. Hop là. Tac, tac, tac. Tac. Voilà.
Et avec ça juste là, du coup, quand cette torche de redstone sera activée, ça va pousser ce bloc qui va être chargé en redstone selon une cloque. Et celui-là va récupérer la redstone du bloc pour la renvoyer ici. Donc normalement le système est fonctionnel. Je vous propose tout de suite de tester ça en survival. Pourquoi slash survie? Ça m'est arrivé deux fois aujourd'hui. Je crois que je suis en train de perdre la boule. Voilà, on se rapproche tout d'un coup. On récupère le papier. Tu vas mourir. Tu tombes. Tu meurs. Parce que c'était écrit. Tu vas mourir. Hop. On ressuscite. Pourquoi il y a les flèches qui sont tombées? Bon, on va pas réfléchir à ça. Trop longtemps. Survival. Non, maintenant c'est creative. Et on va redécoller puisque nous sommes en hauteur. Oh, c'est beau quand le chargement n'est pas totalement fait. Bon, du coup, vous allez me dire, ouais, t'avais dit que c'était 100% automatisé et tout. Oui, ça s'est refermé. Vous avez... Eh merde. On va le relâcher ici. Hop, comme ça, on arrête le système. Bon, vous allez me dire, oui, t'avais dit que c'était... automatisé, mais les flèches ne se remplissent pas toutes seules. Oui, c'est pour ça que je vous invite à voir le prochain épisode qui va sortir. Mais bien sûr, comme c'est le prochain, à l'heure où je tourne et que je poste cette vidéo, il n'est pas encore sorti. Donc attendez patiemment, la patience vous sauvera, mes amis. Et si vous attendez suffisamment longtemps, vous pourrez le retrouver sur ma chaîne, dans vos notifications. Une vidéo Labotron est sortie. Oui, et on pourra du coup automatiser ce système. Tout simplement. Bah, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. Oui, la fin de cette vidéo s'annonce. Je vais détruire cette plateforme dégueulasse d'ailleurs. Je vais récupérer mon stuff, moi. Et en même temps, je vais faire mon outro. Comme ça, on gagne du temps. Sauf que j'ai vidé le coffre avant de commencer mon outro. On aime ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Oui, j'aime les pouces bleus. Faites péter la barre de pouces bleus. Sachant que c'est impossible, faites-le quand même. Je sais que ma communauté est capable de tout. Faites péter la barre de pouces bleus, comme je disais si bien. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, bien sûr, partagez la chaîne à vos amis. Ça va de soi, non? Non? D'accord. Et bah moi, je vous dis à la prochaine. Allez! Salut les amis!